Bonjour et bienvenue dans l'épisode numéro 100, et oui, le centième, on est déjà là. J'avais déjà fait le coup à 50, et ben là on est à 100. On va jouer aujourd'hui à GTA 4. Donc GTA 4, ben, il n'y a pas de... Voilà, c'est le nom. Vous connaissez sûrement déjà tous, mais pour tout ce qui était San Andreas, Vice City... Et ben là, c'est GTA 4. Alors, on est parti. Alors, qu'est-ce qu'on va faire? Nous, on va jouer... Parce qu'on peut donc jouer en ligne aussi, mais non, on va jouer en local. On va suivre l'histoire. Alors, les options... non, c'est bon, normalement... Normalement, j'ai déjà tout réglé. Donc, ce qu'on va faire... On va commencer une nouvelle partie. Oh, vous voyez le petit menu d'intro, enfin le petit menu. Vous n'êtes pas connecté. Voilà, je vous laisse l'introduction du jeu. I spend the next 7 months with you fine people and I forget. After the war finished, I couldn't get a job. Nobody could. So I did some dumb things, got involved with some idiots. Ah, we all do dumb things. That's what makes us human. Oh!
She's with him, still a touch drunk. A touch? Matt Gasson is here! We got the world in Come on, come on, whatever, buddy. Just take over the world someplace else, yeah, all right? Buddy. You're in the goddamn world! Screw you! Screw you all! Matt Gasson is here! Nico Bellic! He's the fucking man, bitches! Roman, come on, let's go. To the mansion, huh? Yes, the mansion! Maybe you should have. Oh, maybe I should. Okay. Okay. Hey, is this a cab? Where's the sports car? Hey, he's in the shop. Come on! Alors, on nous donne le contrôle. On vient de retrouver notre cousin ou notre ami, je sais plus. Allez, on va donc le ramener chez lui parce que lui, il est pas du tout en état de conduire. Alors, on va suivre la carte. Vous voyez, le tracé jaune, on va le suivre. Alors, c'est un peu la merde au niveau du contrôle. Donc, on est en ZQSD pour contrôler la voiture, mais la caméra ne suit pas automatiquement. Voilà, donc je trace quelqu'un, c'est super. Elle ne suit pas automatiquement. En fait, il faut bouger la souris. Alors, c'est plutôt chiant. Si j'ai des accidents, ce sera normal. Oh, con. Et puis elle est pas tellement fluide la voiture. C'est à dire qu'en fait là, hop, regardez, j'ai assez peu essayé de tourner, ça met sa vie. Pourtant, là, je peux pas mieux tourner que ça en fait. Hop là. Ok, bon, il nous parle en même temps, il nous raconte des trucs. Si ça vous intéresse, vous pouvez toujours lire. Il parle pas en français. Donc il faut lire. Hop. Et voilà, on doit se garer ici. Jusqu'à, normalement, il devrait y avoir la cinématique. Allez. Non. Voilà. This is the mansion? Just a temporary place. The mansion is coming, cousin. That's the dream. Follow me. Come in! Make yourself at home. What's mine is yours. Got him! Little bastard. If he paid some rent, I wouldn't care. Oh, shit. Oh, that's not nice. Oh, cousin, it's so good to see you. Oh, shit. Oh, I need to change anyway. So, you full of crap or what? What? Where's luxury condo? Where's sports car? Where's Barbara with big titties and Stephanie who sucks like a vacuum? What are you talking about? In your letters to my mother, in your letters to me, all I hear about is Mr. Big, Mr. Roman, living the American dream. Sports cars, condos, women, money, the beach, opportunity. I come here and the only thing big about your life is the cockroaches. That's right. I got the best cockroaches, I got the best pets! Screw you idiot! Okay, I'm an idiot, but you must admit, I have the best line in bullshit you ever heard. Yeah, this I know, asshole. But here. All I needed was one good guy. One good guy I could do well. Not take over the world, but do okay. Now maybe I have this. But what about you? What about you, cousin? What? What about me? Why you leave home after all this time? First I hear you are running with the wrong kind. Then I hear you joined the merchant navy. Now you're here. You never tell me anything. No. What do you mean, no? No, I never tell you anything. Another time. Mystery man, strange and exotic sailor. What happened? Did your captain make you pregnant? Screw you! No, it's nothing like that. The ships were fine. It was before that. Two things. You remember, during the war, we did some bad things. And bad things happened to us. War
is where the young and stupid are tricked by the old and bitter into killing each other. I was very young and very angry. Maybe that is no excuse. Roman? Roman! Ah! Are you sleeping, you fat fuck? No way. Come on! What's the time? Shit, I've got to get the cab back. It's on the shift. Ah! Oh, Jesus! Tastes Roman. Like a rat shot in it! Nico! Jeez. I've got to run. Come meet me at the cab office. It's easy. Out the door, turn left, then the first left of the diner, go down one block and turn right on Iroquois. Then walk all the way down and we're right there on the left on the corner of Cisco Street. It's really flash. We got lots of TDs and some incredible motors. Nico, give me a hug. Good to have you here, cousin. I've got something for you. Oh, damn. Damn. Yes, Vlad. Sorry. Forgive me, okay? No, please don't cut my cock off. Okay, but... Yes. Okay. Donc voilà, nous sommes dans la maison. Nous sommes tout seuls parce qu'ils viennent se barrer. Là, on peut pas bouger parce que là, ils nous donnent en fait des conseils. Ils nous disent qu'en fait, il faut qu'on aille dormir dans le lit pour sauvegarder la partie. Donc il faut revenir ici à chaque fois si on veut sauvegarder. Alors, quand c'est que je peux bouger, s'il vous plaît? Voilà, normalement, voilà, va voir Romain. Donc il faut que je sorte. Hop. Alors, l'escalier. Voilà, je préfère sprinter. Donc on appuie sur Maj, enfin sur Shift pour sprinter. Là, ils me disent que si je veux garder la voiture que je conduis, il faut que je les gare à cet endroit-là. Sinon, elles disparaissent. Quand vous allez dormir, bah, vous revenez, il n'y a plus rien. Ça, c'est pour la vitalité. Pour recharger un peu sa vie. Donc apparemment, il y en aura plusieurs un peu partout dans la ville. Et nous, ce qu'on va faire, c'est qu'on va piquer une voiture. Parce qu'à pied, ça ferait un peu loin pour aller rejoindre Roman. Roman. Oh putain, il y avait une voiture de flic. Alors là, c'est cheaté par contre, parce qu'il y a une voiture de flic pile poil quand je vole une autre voiture. Ah putain. Alors on va essayer de se barrer avant qu'elle nous attrape. Même si le contrôle est pas top, on va essayer. Hop, oula, bah là. Ah bah j'ai été éjecté de la voiture, donc j'ai écrasé quelqu'un qui est sûrement... bien blessé. Je veux que je me mette un grand coup dans la tête aussi. Hop, on prend une nouvelle voiture. On a les flics qui commencent à nous courir dessus, mais ce qu'on va faire, on va taper le flic. Donc voilà, en haut à droite, on va gagner 2 étoiles. Hein. Toujours le même principe au niveau de GTA. Vous avez des étoiles de recherche. Bon, là, j'en ai 2. C'est pas vraiment top, mais vu que mon but, c'est pas pour les... Ah bah dis donc, c'est pas d'avoir un maximum d'étoiles. On peut s'amuser, mais bon. On va se faire arrêter, quoi. Quand? Regardez, j'ai voulu tourner, ça a pris 3 ans, quoi. Résultat, bah, j'ai mangé un poteau. Hop là. Oh, j'aime bien écraser des gens, voir si ça monte un peu. Ça monte pas tellement. Si vous écrasez des flics et tout, ouais, votre niveau de recherche monte et tout ça. Mais quand vous écrasez des piétons, ça monte pas plus que ça. En fait. Alors c'est toujours comment ça s'appelle? Le même truc aberrant, on va dire, de pouvoir faire tomber des poteaux quand même avec notre voiture. Je sais pas si vous n'essayez pas dans votre vie, hein, dans la vraie vie. Mais si vous essayez de... Oula, d'accord. On va sortir de là. Si vous essayez de taper un poteau avec une voiture, je suis pas sûr que ce soit le poteau qui s'en aille. C'est plutôt votre voiture qui va piler direct, qui va s'écraser devant. Alors là, on va essayer de voler une voiture de flic. Je sais pas si on peut, ça merde un peu. On va aller de l'autre côté. Ah bah évidemment, ça s'ouvre pas. D'accord. Nous voilà avec une voiture de flic. Allez. Ouh, on va essayer de pas trop toucher les bords. C'est un vrai docteur Maboule, faut pas toucher les bords.
Alors, il faut que je suive. Roman, il est là-bas. On va essayer d'y aller. Ah, il est juste là, même poteau. Franchement, on peut pas faire ça dans la vie. Alors, il est là. Come on, big guy, either do some work or get out of here. We don't need jokers. Screw you! Screw you! Baby, when I look into your eyes, it means something. I see little Romans, I see little Mallorys, I see stars, I see angels. In my homeland, we have a saying. Yeah, we got one too. You're a fag! Shit! Jesus, Roman, you fucking idiota! How can I take you seriously? Very difficult, I think. Hello, Roman. Hello, Mallory, this is my cousin I tell you about, Nico. Hi. Nico, this is Mallory, the beautiful girl I tell you about. See? Not everything I tell you is bullshit. I bet most of it was. Hey. I hope you're less full of shit than your cousin over here. Thank you. This is the woman that I'm going to marry. Whatever you say. I thought you were going to marry me, baby. Hey, Vlad, great. You're fucking crazy, man. You should lose a few pounds. Otherwise, this beautiful lady is going to lose. I know. I'm a fat prick. What can I do? Hey, you dance? I will do, man. We spoke of this. No, we didn't speak. You spoke. Then you say you're full out of batteries. You treat me like a bitch. Never. I treat you like an idiot, not a bitch, huh? I guess it's true. The beautiful woman do like the guys with the funny sense of humor. Mm-hmm. Ho, I'm laughing. I'll get you the money. I know. And Roman, tell this fucking yokel here, if he doesn't stop staring at me, I'll have his head chopped off and put a film of it on the internet! Ouch. Ah. Oh, good. Great. Yeah. Fantastic. Look, say what you like, but at least that guy knows how to speak to a lady. Yes, he's all charm. Come on, Nico, let's go. Darling, I'll see you later. I've got to take my cousin around some more. Get him settled. Allez, donc c'est à nous de jouer. On va aller dans la voiture. Nico, tu nous conduis. Monte dans la voiture de Roman. Donc, ben, on va monter dedans. Hop, hop, hop. Allez. Donc, on va faire comme tout à l'heure. On va suivre les indications sur la carte. Voilà. Merde, j'ai pris le mauvais chemin. Je suis pas sûr que ce soit le très bon endroit pour... il faut suivre la ligne jaune, mais sauf que là, je suis pas parti du bon côté. Allez, allez, hop. On va essayer de pas trop taper de voiture, de pas abîmer celle-là trop vite. Le petit taxi, il avait rien demandé. Alors, bah, tout simplement, on suit la route. Hein. Y a pas tellement de choses à faire pour l'instant. On suit l'histoire. Ah, faudra bien ralentir avant les virages parce que putain, ça tourne pas. M'amuse à taper tous les poteaux que je croise. Est-ce qu'il reste cassé d'ailleurs? Je sais pas. Est-ce que ça met du temps à être réparé? C'est pas du tout. Ah non. Oula. J'avais pas analysé le virage assez vite. Alors là, il faut aller à droite. Et c'est ici. Nico, wait for me here while I go inside to clean up. Shit, I almost forgot. I'm giving you my old phone. My new number's in there. Call me if some Albanian show up in some shitty beige willard. Those are the guys I owe money to. Do not hurt them. I know what you're like, Nico Bellic. You and your debts, Roman. Uvekisto, Nika Drugacie. Donc là, j'ai pas trop compris ce qu'il fallait faire. Je crois bien qu'il faut que je reste ici. Bon, pas loin du moins. Être dans le coin. Parce que là, oh, bah, il m'indique, regardez sur la carte, il m'indique en jaune. Je suis parti de là où je devais aller. Donc en gros, je devais pas bouger. Remarquez que le système t'aperçoit juste que je suis pas au bon endroit et qu'il me dit bien de rester. Il faut que je fasse quoi? Il faut que je reste là? Je reste dans la voiture. Attends devant la salle de jeu. Reste dans la voiture et essaye de repérer les usuriers. Ouais. Faut que je regarde les gens qui sont suspects ou...
Ah, et un téléphone. Comment je fais pour répondre? It's all quiet out here. Voilà, j'ai trouvé. You winning? Molinte Retsida. Don't worry, I'm getting so many bullets, it's like I'm an AK. Miss McCool. Ouais. On les a toujours pas vus. Ni là, ni là-bas. Ah merde. Non, non, mais j'ai essayé de descendre la voiture, ils me disent remonte dans la voiture. Devant la salle de jeu. Bon, bah, faut que j'attende. Ouais. Toujours rien. On devait pas attendre 3 ans non plus. Ah. On dirait que tes potes sont là. Ah, ça doit être ceux-là, là. Ça doit être les mecs en blanc, là. Appelle Roman pour le prévenir. Appuyez sur 1 pour accéder au téléphone. Menu. Répertoire. Roman. On l'appelle un peu tard, quand même. Ils sont quand même déjà dedans. Il y a eu un petit bug avec la porte, là, d'ailleurs. Alors, ça y est, donc il faut leur échapper, je pense. On va défoncer leur bagnole. Ah, mais là, ils me tirent dessus. Ah, les enfoirés. Bon, on va vite se barrer. On va suivre la ligne jaune. Pour savoir où c'est qu'on doit aller, sûrement retourner. Hein. De là d'où on vient, au garage, là-bas. Hop. Bon, bah, ils sont loin, ils nous suivent pas de près, hein. Putain. Je sais pas si c'est moi qui roule vite ou je sais pas. Ils sont bien loin, les jugeriers, là, les mecs avec les voitures blanches. Oh putain, la voiture. J'ai jamais vu une voiture qui rebondissait autant, d'ailleurs. Sur le moindre obstacle, elle fait un bond incroyable. Ah là 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 là, il fallait que je tourne. Quel carnage dans la ville. Ah. Et je vous rassure, j'ai mon permis de conduire. Voilà. We're here. You like your phone? Maybe one day you get a premium quality one like mine. Then you will have really made it. I can only wish. See you later, cousin. Voilà, on a redéposé notre cousin Roman. On peut pas rentrer si on va rentrer dans le garage. On a rien à faire. Modifier les paramètres. C'est le type de. Oh, con. Ah, par contre, on peut pas défoncer les abribus. On défonce des poteaux qui font 50 cm de diamètre, mais des abribus, non. On peut pas les taper. Alors, j'essaye un peu en mode marche, voir si on peut casser la gueule à des gens. C'est un peu pourri. Pour l'instant, on a pas d'armes, on a rien du tout. Oula. On va lui piquer sa bagnole, elle est un peu mieux que la nôtre. Allez, casse-toi. Allez. Alors, qu'est-ce qu'on doit faire? Où c'est qu'on doit aller? Voilà, bah, c'est un super photo. Celui-là, on peut pas le faire tomber. Alors, là, j'ai eu un accès à une vue de devant. Voilà. On m'appelle, non? Ah non, c'est un SMS. Ouais. Je crois que c'est le SMS, badge. Ouais, donc faut que je revienne. Hop, on l'appelle. Faut que je revienne au garage. Qu'est-ce qui s'est passé? Je sais pas. On tombe sur le répondeur. Hop là. Heureusement qu'on n'est pas parti trop loin, de toute façon il nous appelle carrément direct, donc je vois pas trop l'utilité de nous avoir laissé partir pour nous rappeler une seconde plus tard. Allez, il est là. Ouais, non, c'est de l'autre côté, voilà. Come on, daddy, what's your problem? I don't have problem, you do. Dick man, come on! Where's your Russian friend now, huh? He's not my friend, he's my loan shark! Huh? Stop this! What of us? Who are you? Get out of here! What? Yes! Huh? Ah! 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 Ah!
My arm! Oh! But what about you? Help me! Come on, Supak! Lendor! Help me! Get out of here now! And if you come back, I'll kill you! You understand? You forgot this? You have been in pricks? Strong! Shit, Nico. What did you do? He was going to stab me! Now he's going to kill you! Fuck him! Look at this mess! Screwed! Again! You want to know why I'm not living in a nice condo, banging for women? It's because of shit like this! Assholes threatening me! Shut up! Oh, great. Mallory. Hey, beautiful! yeah, great! listen, I'm having a bit of a problem at the office. I can't do it. Nico can do it. Huh? And what? Well, why would you want me then? Well, screw you then! Great girl. Can you do me a favor? Mallory needs a lift. Can you go pick her up at the Hove Beach subway station? Yeah. Take the cab. She's got a friend with her. Maybe someone you can date. Fuck you. Oh, man, look at this crap, my computer and everything. Donc voilà, on remonte dans la voiture. Mais la vidéo est déjà bien avancée. Donc je vais vous laisser. Donc ce sera tout pour GTA 4. Si tu as aimé cette vidéo, je t'invite à venir visiter ma page YouTube où se trouvent plein d'autres vidéos. Sinon, tu peux aussi cliquer sur les vidéos au milieu pour aller les voir directement. Je t'invite à laisser des pouces verts si tu as aimé ou des pouces rouges si tu n'as pas aimé. Tu peux même laisser un commentaire en bas de la vidéo pour me dire ce que tu penses. Quant à moi, je vous dis à bientôt pour un nouvel épisode de Stage 1.